السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأولى بكالوريا، ترحب بكم من هنا. إذا إن شاء الله سوف نقدم لكم حصة جديدة في هذه القناة، هذه قناة الفهم والاستيعاب ديال اللغة الفرنسية. لاباتا مغفايد أحمد صفروي، شابيتر 12، آخر فصل من فصول ديال لاباتا مغفايد أحمد صفروي هي شابيتر 12. إذا سوف نطرق تقريبا إلى 13 سؤال مباشرة معكم. إذا نبدأ على بركة الله على صيغة PDF. Quel prénom de femme choisit le narrateur pour la chanson qu'elle composait plus tard? إذا الشخصية الباردة هي الشخصية ديال الزهور. إذا الشخصية ديال الزهور شخصية باردة في لابواط ميرفي، في آخر فصل من لابواط ميرفي. إذا quel prénom de femme choisit le narrateur pour les chansons pour les chansons qu'il composera plus tard, ses heures. Qu'après Driss Lawad, Amal Mabslem à son retour. De Mada Kama Driss Lawad Bil. Bihbar Abslem. Iden Tibili Tibili le divorce. Iden Hulak Talak. Le divorce entre Moulay Al-Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé. Notamment, talaq bin l'arbi et la fille du coiffeur. Quelle fut la réaction de Zoubida à l'annonce du retour de Malem Aslam? Figé et nager dans la joie. Quel âge avait Malem Abslem? Tqriben chhal ando fi l'amour? Quarantaine. Tqriben 40 sana. Ou ma younehez 40 sana. Idan, en quelle année l'auteur a été écrit son autobiographie et dans quelle ville? En quelle année l'auteur a-t-il écrit son autobiographie et dans quelle ville? Il est Medina, Li, Ksefea, Ossena, et Elfoutsamia, Orba Khamsin. Et Elfoutsamia, Tnin Khamsin, Kid. Elfoutsamia, Orba Khamsin, et Isdar, Elfoutsamia, Tnin Khamsin, Kiseba. Qui avait envoyé, quelle année l'auteur a-t-il écrit? Hein? Alors, qui avait envoyé le. Qui avait envoyé le garçon et pourquoi? Le frère pour prendre de nouvelles de Sidi Mohamed. Eden, Tarlona, quelle bonne nouvelle apportera Zineb à la Zubida? Quelle bonne nouvelle. Eden, Malem Aslam était de retour. Chouvona, quelle réponse demande Zubida au garçon de transmettre à son maître? Sidi Mohamed était. Sidi Mohamed. Eden, Sidi Mohamed. Voilà, Sidi Mohamed n'était pas encore rétabli. Quel était l'élément nouveau qui flottait dans l'air de Dar Shuafa dès le matin? Quel était l'élément nouveau? Je ne vois pas sur le jadid. Les chansons des femmes. Quel était l'avis de Malem Aslam sur la polygamie? Polygamie, mais c'est une folie. Et pourquoi Sidi Mohamed ouvrait sa boîte à merveilles? Elle se sentit triste et seule.
Nous quel était le garçon venu frapper à la maison de Joshua fort? L'Al-Yaqoubi. L'Al-Yaqoubi. Et sur l'akhir, où Zineb avait-elle apparu, aperçu, pardon. Où Zineb avait-elle aperçu Mal-Mabslam? Près de la mosquée des Brigadiers. Voilà. Je vais voir. Donc, il y a 13 questions. L'aide de l'Alphonse Lada, l'Alphonse du chapitre 12, de la boîte à merveille. Dernier chapitre, la boîte à merveille. إذن نكمل المنص في المنصة التفاعلية بعد قليل. ابقوا معنا غسي توجور افيك نو. إذن هناك تيست اختبار ديال الكومبريونسيون تقريبا 10 دقائق لابد ما في دحمة سفروي شابتر 12. إذن كل برنون دو فام شوزي لو ناراتور بور لي شونسون كي كومبوزا بلو تار سي زور. Quel était l'élément nouveau qui flottait dans l'air de Dashwafa dès le matin, les chansons des femmes? Qui était le garçon venu frapper à la maison de Dashwafa? Alal Yaqoubi. Qui avait envoyé le garçon et pourquoi? C'est le frère pour prendre de nouvelles de Sidi Mohamed. Quelle réponse demanda Zubida au garçon de transmettre à son maître? Sidi Mohamed n'était pas encore rétabli. Quelle bonne nouvelle apporta Zineb à la Zubida? الخبر السعيد معلم عبدالسلام دو روتور او زينب افيتيل ابيرسو او في معلم عبدالسلام بخي دو لا موسكي دو بريغاردي كيل فو لا رياكسيون دو زوبيدا على لانس دو روتور دو معلم عبدالسلام فيفونت اي نو سيسي با دو رموي اكسيتي اي ناجي دون لا جوا فيجي اي ناجي دون لا جوا انفلامي اي ناريتي pas de parler. Figé. Quel âge avait Malem Aslam? La quarantaine, la trentaine, la cinquantaine, la soixantaine. La quarantaine. Qu'après Driss Lawad à Malem Aslam à son retour? Le divorce, les évidences, le triste Isran, l'Ahma, le divorce, Talak. Qu'était l'avis de Malem Aslam sur la pilogamie? C'est une sorte d'une folie. En quelle année l'auteur a-t-il écrit son autobiographie dans quelle ville? 1952 FS. Et pourquoi Sidi Mohamed offrait-il sa boîte à merveille? Il était très, 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 se sentit triste et seul. Voilà, 7 minutes et 41 secondes. Affiché toutes les questions. Alors, quel prénom de femme choisit l'orateur pour les chansons qu'il compose plus tard? C'est Zohar. Alors, quel était l'élément? L'élément nouveau qui flottait dans l'air de Dashwafa dès le matin, c'est les chansons des femmes. Alors, qui était le garçon venu frapper à la maison de Dashwafa à l'El Yaqoubi? Et qui avait envoyé le garçon et pourquoi le frère pour prendre de nouvelles du Sidi Mohamed? Et quelle réponse demanda Zubida au garçon de transmettre à son maître? Sidi Mohamed n'était pas encore rétabli. Et quelle bonne nouvelle apporta Zineb à la Zubida? Malem Abslam était de retour. Où Zineb avait-elle aperçu Malem Abslam? Près de la mosquée du Brigadier. Et quelle fut la réaction de Zubida à l'annonce du retour de Malem Abslam, figé et nagé dans la joie? Et quel âge? Et quel âge avait Malem Abslam? La quarantaine environ. Et qu'aperçut Driss Lawad à Malem Abslam à son retour? Le divorce entre Moula El Arabi et la fille du coiffeur était prononcé. Et quel était l'avis de Malem Abslam sur la polygamie? Une folie.
En quelle année l'auteur a-t-il écrit son autobiographie? Et dans quelle ville? 1952 à Fès. Attention, La Bohème Rêvée, c'est un roman autobiographique. Pourquoi Sid Mohamed ouvrait-il sa boîte à merveilles? Il se sentait triste et seul. Alors c'est fini pour ce test de 13 questions. On a bien répondu à ces 13 questions dans un temps vraiment record. 7 minutes et 41 secondes. Bravo, bravo, bravo. Alors c'est fini maintenant pour la boîte à merveilles d'Ahmed Soufrioui. Rendez-vous donc pour la prochaine vidéo pour les tests d'examen régional. On a le cadre de mélange comme Tihana Jiaouya, examen régional de Kulgia. Où tu m'as dit que vous testez un certain nombre d'écrits à compréhension. D'accord? Ou la production écrite, ça le fera Charles après le 20 mai. Après 20 mai, mais le 20 mai, Inch'Allah, bon, je vois Inch'Allah en juin, on dira la production écrite. Et dans cette phase هذه متبقية نديرو دي زيكزامبل ديال الامتحانات الجهوية. ابقوا معنا وشاركوا معنا في جميع وشاركوا معنا في وبارطاجوا معنا في هاد لاشين ديال يوتيوب جو كومينيك تي في داكوغ باش توصل لعدد كبير من الناس. ومن التالي ابقوا معنا. اذا صافي اكتفينا بهذا القدر هذا حقيقة. لا بوطا ميرفي أحمد السفروي كملناها كاملة تقريبا دوز شابيتخ. إذا بقى لينا نديرو غير دي تيست ديال ليكزامان ريجيونال ديال الامتحانات الجهوية ديال كل جهة. ومن بعد 20 يونيو 20 ماي إن شاء الله في يونيو نديرو دي موديل دو بروديكسيون كريت داكوغ باش نوجدو نفوسنا للامتحان الجهوي المقبل. إذا اللقاء في الفيديو القادم يكون اختبارات حول الامتحان الجهوية كل جهة داكوغ خاصة غير بالكومبريونسيون. فوالا اذا بارطاجيو لي فيديو بارتو دون لو موند باش كلشي يستافد.